Et nous en sommes à la 12e et dernière chronique, le goût d'écrire. Le goût d'écrire et d'être publié. Gabriel Marcoux-Chabot, bonjour. Bonjour, Jimmy. Là, on en est rendu là. On est relativement satisfait de notre texte. On pense qu'il pourrait être publié. Comment ça fonctionne? Bien oui, puis souvent, ça, le goût d'écrire s'accompagne de cet espoir-là, cette envie-là d'être publié un jour. Fait qu'on est rendu là. On a quelque chose qu'on a envie qu'il soit partagé, qu'il soit lu, oui, mais à plus grande échelle. Fait qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, je dois préciser que pour tout ce qui est des textes brefs, la poésie ou des nouvelles, on a beaucoup parlé de la nouvelle. Bien, pour les nouvelles, par exemple, il existe plusieurs revues spécialisées qui publient justement de la nouvelle plusieurs fois par année, souvent. C'est une belle façon de se faire publier pour une première fois, d'avoir des textes qui existent, qui sont lus. Il faut les trouver, ces revues-là. Ils ont des conditions différentes d'admissibilité des textes. On leur envoie. Ça n'a pas nécessairement la diffusion d'un livre. Ce n'est pas nécessairement notre plus grand espoir qui est réalisé, mais ces textes-là sont lus et on devient tranquillement, si on a plusieurs textes publiés en revue, on peut être reconnu comme auteur enfin, avoir accès à certaines subventions. Donc, ces revues spécialisées-là, pour des textes brefs, c'est une belle entrée en matière. Évidemment, on peut avoir le fantasme du livre, se chercher un éditeur. Puis là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs maisons d'édition. Il y a énormément de maisons d'édition. Et il faut les connaître un peu. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer son manuscrit à toutes les maisons d'édition qu'on voit, qu'on connaît leur adresse, qui nous tombe sous la main. Parce que chaque maison d'édition publie un nombre variable de textes. Souvent, ils peuvent avoir des genres particuliers, ils citent des genres précis. Et en plus de ça, ce n'est pas toutes les maisons d'édition qui ont la même réputation. Il y a des bonnes maisons d'édition, puis il y a des moins bonnes maisons d'édition. Ça vaut la peine de s'informer. Parce qu'à la limite, on l'envoie à toutes les maisons d'édition qu'on peut penser. La première dit « OK, j'accepte », puis signe un contrat de publication. On se rend compte que le contrat est très désavantageux, puis il y a l'autre maison qui dit « Ah, ben moi, mais là, trop tard ». Fait qu'on peut sélectionner un peu. Oui, moi, ce que je conseille, c'est de se faire une liste ou même de se faire plusieurs listes. Voici les éditeurs que je vise en premier pour telle raison. Et là, on leur envoie le manuscrit. Et on n'envoie pas le manuscrit n'importe comment. On va voir le site internet de ces maisons d'édition-là parce que chacune a sa façon de faire. Il y en a qui veulent encore des manuscrits papier, c'est obligatoire. Il y en a qui veulent absolument un manuscrit numérique, par courriel, par exemple. Et il y en a qui ne vous publieront pas si vous n'ont pas déjà rencontré quelque part. Je connais une maison d'édition, les Six Brumes, par exemple. Eux, ils veulent qu'ils vous aient déjà rencontré, qu'ils aient discuté avec vous dans des événements particuliers. Et là, à partir de là, ils vont peut-être être intéressés à vous lire. Donc, il faut s'informer, justement, et à partir du moment où on décide de leur envoyer un manuscrit. On envoyait le texte, bien sûr, mais aussi un résumé et aussi une lettre de présentation. Un résumé court. On ne dépasse pas une demi-page, mais on présente notre histoire. Il ne faut pas tout vendre nos punchs d'avance, par exemple. Mais tu sais, c'est quoi les personnages? Il faut quand même tirer la curiosité. C'est un synopsis. C'est un peu comme l'arrière des boîtes de VHS à l'époque, là, quand on se donne le goût. On se donne le goût, mais on fournit assez d'informations pour que l'éditeur il sache quand même un peu à quoi s'attendre, pour savoir tout de suite est-ce que ça cadre avec sa philosophie générale d'édition, parce que ça se peut que ça ne cadre pas si vous n'avez pas fait vos recherches, disons. Puis la même chose, une lettre de présentation pour vous présenter comme auteur, pour présenter votre démarche, puis donner aussi envie à l'éditeur de vous connaître. T'sais, en dehors de ce texte-là, peut-être que s'il se trouve que ce texte-là il est insatisfaisant, il ne répond pas tout à fait à ses critères, mais peut-être qu'il va avoir envie quand même de vous connaître plus parce qu'il trouve que vous avez une démarche intéressante et envie de vous suivre. Fait que ces deux petits documents-là qu'on joint au manuscrit permettent à l'éditeur de se faire rapidement une idée de qui il a affaire, à quel texte il a affaire, puis d'orienter un peu sa lecture d'une certaine manière. Et ensuite, il faut attendre. OK. Puis, il faut attendre des fois longtemps, parce que c'est long. Les éditeurs, aujourd'hui, reçoivent énormément de textes. Fait que c'est normal si vous attendez 6 mois. C'est normal si vous attendez 1 an et que vous n'ayez pas de réponse à des textes. J'imagine que plus les gens lisent le livre, plus il y a de portions des lecteurs qui veulent se mettre à écrire, puis l'Internet a rendu très facile d'envoyer des manuscrits. Donc, effectivement, qu'ils doivent en recevoir beaucoup. C'est le désavantage de trop avoir le goût d'écrire, finalement. On envahit les éditeurs. Mais un jour, on va recevoir une lettre. Et là, on va recevoir des lettres de refus. Et c'est normal d'avoir des lettres de refus. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de blessant. Il y a des gens là, qui ont envoyé des manuscrits. J'avais entendu parler d'un auteur qui avait envoyé 23 manuscrits différents qui ont tous été refusés avant d'être publiés et de mener une belle vie d'écrivain très prolifique par la suite. Si je me permets, il n'y a pas justement l'écrivaine des Harry Potter qui a été comme refusé dans plein de maisons d'édition avant que finalement, puis ça a été un grand succès. Il y a comme des gens comme ça qui sont comme un peu l'histoire farfelue du succès colossal qui a passé sous le nez de certains éditeurs. Ben oui, parce que quand on continue d'écrire, quand on continue d'envoyer des manuscrits, ben veut pas, on s'améliore aussi avec le temps, puis on finit par produire des textes intéressants. Puis les refus, des fois, ça va être une lettre qui est tout à fait générique et un peu insignifiante, à la limite un peu insultante. On a l'impression que l'éditeur n'a pas vraiment lu le texte. Il faut vivre avec. Mais certains éditeurs, surtout si le texte a quand même plu, même s'il refusait,
bien, ils vont envoyer des critiques plus constructives, avec plus d'informations. À ce moment-là, ça vaut la peine d'y prendre, d'y réfléchir, puis de voir de quelle façon on pourrait peut-être retravailler nos textes pour qu'ils soient plus acceptables une prochaine fois. Il faut en tenir compte de ces lettres-là. Puis si on est chanceux, bien, on va avoir peut-être une offre de publication. Votre manuscrit est accepté, on veut vous publier. Alors, joueur, on est content, on célèbre. Surtout si vous avez fait une sélection au début. Parce que là, si vous n'avez pas fait de sélection, puis qu'il y a un éditeur un peu douteux qui vous accepte, peut-être que la joie va être de courte durée. Parce qu'avec l'offre de publication, va venir éventuellement un contrat. Et là, quand on veut être publié, on n'y pense pas nécessairement au contrat. Tout ce qu'on veut, c'est cette publication-là, on en rêve. Puis des fois, on peut se faire avoir, justement. Parce qu'il y a des choses importantes à regarder dans un contrat. Moi, je suggère à tout aspirant écrivain d'aller voir sur le site de l'Union des écrivains et des écrivaines québécois. Parce que là, on nous dit qu'est-ce qu'il devrait normalement y avoir dans un contrat. Il y a toutes sortes de choses à regarder, mais il y a deux éléments sur lesquels je voudrais particulièrement insister. Premièrement, c'est la durée du contrat. Aujourd'hui, normalement, un éditeur propose une licence, ou il vous demande de lui accorder une licence d'exploitation. Vous lui donnez le droit d'exploiter votre texte pendant 5, 7, 10 ans. C'est les durées qui sont normales maintenant. Fait que si quelqu'un vous demande de céder vos droits pour toute la vie, c'est pas une bonne idée. C'est pas normal, du moins. C'est pas normal. Il y a la même chose aussi, l'engagement à long terme. Normalement, un bon éditeur va dire « j'accepte de publier ce texte-là, puis tu es libre. Après, tu fais ce que tu veux. » Si l'éditeur veut vous obliger à signer une clause qui vous oblige, par exemple, à avoir un premier regard sur votre deuxième, votre troisième, votre quatrième manuscrit, cet engagement-là à long terme peut vraiment vous nuire, puis c'est plus normal aujourd'hui de faire ça. OK. Fait que si on vous propose ce genre de contrainte-là, ou si l'éditeur refuse de discuter, il refuse de remettre en question certains éléments, ou si pire, il vous demande de payer pour éditer votre livre, pour couvrir certains frais, fuyez, partez à la course, parce que vous allez vivre une expérience décevante. Cette personne-là, cet éditeur-là, est probablement soit un escroc ou soit un amateur qui n'a pas les moyens, finalement, de donner une vraie vie à votre œuvre. Parce que c'est un contrat entre l'éditeur et nous-mêmes, en tant qu'écrivain, de dire que lui amène une expertise, amène de la visibilité, il va s'occuper de promouvoir notre œuvre pour qu'elle soit lue par le plus de gens possible en échange des droits d'exploitation. Exactement, tout à fait. Puis, si des fois, tu sais, vous n'avez pas cette lettre d'acceptation-là, cette offre de contrat-là, il existe aussi la possibilité de, tu sais, d'éditer à compte d'auteur. Il y a des éditeurs qui, tu sais, qui sont plus ou moins des vrais éditeurs, mais qui vous proposent comme ça. Si vous payez, votre livre va exister. Et là, vous pouvez vous embarquer là-dedans si vous le souhaitez, mais c'est important de savoir ce que vous voulez. Si votre objectif, c'est d'avoir la fierté d'avoir un livre qui est imprimé, qui va être vendu et qui va être lu, puis que ça vous suffit, go, allez-y, faites-vous plaisir. Et vous avez les moyens d'embarquer dans un processus comme ça. Tout à fait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que probablement vous allez perdre de l'argent. Probablement que les ventes vont être décevantes. Vous attendez d'en vendre beaucoup. Il n'y aura pas vraiment de réception médiatique parce que ces éditeurs-là ne font pas partie du réseau littéraire au Québec où on prête attention aux livres. Finalement, ils sont en marge de tout ça. Fait que votre livre n'aura pas beaucoup d'impact dans les médias et vous n'aurez pas beaucoup de reconnaissance dans le milieu non plus. Parce qu'on sait que vous avez payé pour faire éditer votre livre, ça y enlève une certaine valeur. Mais vous avez un beau livre imprimé. Si c'est ça que vous voulez, allez-y. Il y a la possibilité aussi de se lancer dans l'auto-édition parce que maintenant, c'est plus facile. Il existe des sites Internet pour faire très facilement imprimer un texte, vous envoyez un fichier, ils veulent l'imprimer sous forme de livre. Les livres sont très beaux, sont très professionnels. Ça existe. Les logiciels sont plus accessibles. On est capable de faire de la mise en page nous-mêmes, par exemple. Si vous avez des bonnes compétences en révision linguistique, vous êtes capable de faire Oui, parce que là, c'est ça. Là, vous avez. Quand on a le nez dans son propre texte, nos erreurs, on les a faites parce que c'est des erreurs qu'on fait. Donc, on n'a personne pour passer derrière nous pour dire il y a une erreur là. Peut-être une belle-sœur, un beau-frère qui peut réviser le texte. Mais il y a peut-être moyen de faire de quoi. Puis, si vous avez l'âme d'un entrepreneur que vous voulez vous lancer dans l'autopromotion, je dirais. Pourquoi pas? Il y a peut-être le monde littéraire est peut-être en train de changer. Vous avez l'âme d'un entrepreneur, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Mais le problème encore une fois, c'est que vous allez vous inscrire en dehors du circuit normal de la littérature, puis votre œuvre risque de passer inaperçue. Je ne veux pas empêcher les entrepreneurs d'entreprendre qu'on a cette fibre-là. Des fois, on se rend plus loin qu'on pense. Ce que je voudrais dire, le plus intéressant pour moi, le plus important, c'est que ça se peut de trouver un bon éditeur. T'sais, un éditeur qui va vous ressembler, qui va aimer vos textes pour vrai, qui va vous reconnaître dans vos compétences, qui va vous encourager, qui va vous laisser écrire ce que vous avez envie d'écrire finalement, puis qui va être là pour vous critiquer, mais pour vous aider à vous améliorer, peut-être voir vos faiblesses, pas vous censurer pour vous faire écrire autre chose que ce que vous auriez écrit. Un collaborateur. Un vrai collaborateur qui vous aime, puis qui vous comprend, puis qui vous amène plus loin. Par ses conseils, ses recommandations, puis qui va se charger aussi de toutes les tâches que, comme créateur, vous n'avez pas envie de faire. T'sais, justement, mise en page, promotion. On est content, comme auteur, que d'autres gens s'en chargent. Surtout si ce n'est pas notre force, puis que notre force est l'écriture,
on se concentre là-dessus, tout le monde est gagnant. Oui, puis un bon éditeur, je trouve que trouver une belle relation avec un éditeur, c'est un peu comme des histoires d'amour dans la vraie vie. Des fois, c'est pas la première fois, c'est pas la première expérience que ça arrive, puis c'est pas parce qu'on vit des expériences négatives qu'il n'y aura pas un jour le grand amour qui va arriver. Il faut savoir attendre, il faut savoir le trouver, il faut se donner la liberté d'espérer que ça arrive un jour. Bien, merci beaucoup, Gabriel Marcoux-Chabot, pour ces 12 belles chroniques. J'espère que les gens à la maison ont eu le goût d'écrire. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Jimmy, puis merci tout le monde à la maison d'avoir écouté ces belles chroniques.